I was talking to nobody. When I do, quand je mets l'intercom, ça ferme tout. Okay, I think we're all new people here now. Bienvenue. Ça c'est l'atelier 3. It's a presentation plus une discussion. I don't know who clicked on that. We're going to keep this. It's a presentation plus une discussion. Alors, je vais commencer avec la présentation and I'm going to be asking you, you can use le clavardage or you can use your microphone to join in and answer some of the questions. Si vous préférez suivre le la présentation vous-même, you can go to this link. I'm going to put it in the clavardage right now. So I'll invite you to turn on your microphone if you want to answer the question, or you can type it into the clavardage. What do you think? Is a museum of selfies a vrai musée? Je vois qu'il y a certaines personnes qui disent oui. Moi, je vais continuer avec la présentation. If you want to talk, just go ahead. You can just start talking. Ça me dérange vraiment pas. It could be if the scene is talking. Ah, qu'est-ce que vous voulez dire de ça, avec ça? Le musée des temps nouveaux. If the scene is talking. I can't see the clavardage. It goes by so quickly. Puis c'est tout petit pour moi. Je vais fermer les autres onglets. Ah, voilà. OK. I think it could be if the scene is talking. Oui, mais on pourrait dire le musée des temps nouveaux. Oui, si les photos sont prises avec une intention artistique. C'est le contexte. It's the intention, right? So it all depends on what's behind the selfie. Oui, j'aime ça. C'est la scène, le moment, le contexte, parler aux gens. C'est le même esprit, the same idea. I'm going to go to the next one. Là, je demande une question. Si un musée de selfies, c'est un vrai musée. Et regarde ici. Il y a vraiment un phénomène de musée autour d'Instagram. Parce qu'il y a quelqu'un qui a juste fait 11 posts, qui a affiché comme 11 photos. Mais elle a comme 73 000 followers. Fait on voit vraiment que c'est comme les gens, ils vont voir ses œuvres, tu sais, comme si c'était un musée. Il y a, on va voir une œuvre ou 11 œuvres, peu importe, mais il y a plein de visiteurs. Donc, voilà. Oui, c'est pour ça que j'ai choisi ceux-là. Il y a d'autres comme ça. There are other ones like this as well, où il y a seulement comme un petit nombre de publications, but so many followers. Et ça m'a vraiment fait penser que it's like a museum where we have so many people coming to see the same things. J'aurais dû le mettre ici. Une amie à moi est allée au Paris. She went to the Louvre to see the Mona Lisa. C'est incroyable. Is there anyone here who has seen the Mona Lisa or pictures of it? C'était comme, c'est tout petit, puis il y a une centaine de personnes autour qui sont comme ça, en train d'essayer de prendre des photos et tout ça. So it's very interesting. Et moi aussi, je trouve que c'est vraiment comme un musée Instagram. And I see in the chat box, Kelly talking about how c'est une collection des expériences de vie. Et c'est vraiment ça. On peut voir ça parce que c'est sûr que ça peut être comme on a vu dans le sondage des duck face et tout ça. Mais si on les voit comme une collection d'expériences, just like in a museum, it's a collection. Ça dépend de l'intention. Again, it's the same thing at the museum, right? It depends on the intention. Ça dépend de l'intention, du contexte. Je vais passer, because there's another Instagram account ici, page numéro 13 ou 14 en français. Ça, c'est quelqu'un qui a pris les grandes œuvres. C'est encore un compte Instagram qui s'appelle Museum of Selfies. Et elle a pris des grandes œuvres, puis elle a mis un téléphone dans les mains. Alors, est-ce que c'est art? Pourquoi ou pourquoi pas? Et c'est quoi l'intention? We're talking about intention. C'est quoi l'intention? Peut-être comme un musée, une photo vaut mille mots des fois. On ne sait pas pourquoi. Oui, ça peut être comme un musée. Quelqu'un dans l'autre groupe a dit que les selfies, c'est comme une collection de nos expériences. And so if we think about it, it's a collection of our experiences. Est-ce que ça devrait être un musée?
I don't know. Il y a quelqu'un qui... I think I hear a microphone somewhere. Oui, c'est moi. Mais c'est ça que j'allais dire. Ben, en fait, j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on va dans un musée, ça va nous faire réagir en fonction de notre vécu à nous. Il y a des musées qui vont nous interpeller, mais il y en a d'autres qui ne nous interpellent pas. J'imagine un compte Instagram ou peu importe, la photo, l'image qu'on voit, dépendamment de notre vécu, va nous faire réagir ou non. C'est comme là, en ce moment, moi, je regarde ça, puis ça vient peut-être moins me chercher que quelqu'un d'autre qui a des expériences différentes. C'est ça. C'est intéressant, merci Marielle. C'est Isabelle qui dit ça ici, ça fait découvrir des œuvres iconiques à une toute nouvelle génération. And you know what? I should have brought in another picture. C'est une photo, c'est une image qui passe souvent sur Facebook ou je le vois souvent. Et c'est une image des jeunes, des adolescents qui sont assis dans un musée. Have you seen this before? Avec ils sont assis dans un musée, des grandes œuvres autour de eux, et ils sont là en train de regarder leur cellulaire. And il y a beaucoup de monde qui dit, ah, oh, regarde, cette génération, elle peut pas comme, sait pas comment ça, comment être dans un musée, ils savent pas qu'est-ce qu'il y a autour d'eux. Puis j'ai une amie qui a dit, non, I don't think so. Ils sont sur leur cellulaire parce qu'ils font une recherche sur l'artiste. Après qu'ils ont déjà vu les œuvres. Alors, c'est, comme Isabelle a dit, c'est vraiment une autre façon de regarder les œuvres, une autre façon d'être dans un musée. OK, je vais passer, I'm going to return back to ici. Alors, pour cela, j'ai un lien pour une vidéo. Je vais mettre le lien. And I'm going to go ask you to watch it. Je vais vous demander d'aller regarder. C'est en anglais, mais ce qu'il dit n'est pas important. C'est le visuel qui est vraiment important. Alors, je vais vous demander d'aller voir cette vidéo. Si vos micros sont ouverts, de les fermer parce que we're all going to hear it. And quand vous retournez, de me faire signe que vous êtes là, puis on va continuer la discussion. OK, je vois qu'il y a du monde qui commence à retourner. Est-ce que vous avez aimé ça? C'était intéressant, hein? Oui, ben moi, ce qu'il y a, c'est à quel point les gens sont intéressés par les gens, là. Je l'ai écrit dans le clavardage, là, mais les gens ont toujours eu besoin de se voir, de voir les autres, puis ça continue, puis c'est, on a de plus en plus de façons de se voir ou de voir les autres, hein. Oui, et comme la... Pour moi, c'était vraiment la grandeur de, is that what you say? La grandeur, la largesse, the bigness, how huge it is, this selfie comme en sculpture. Et je sais pas si vous avez regardé jusqu'à la fin que la nuit, it turns and you can see it from the street. Mais c'est vraiment cette comme tu viens de dire, cette préoccupation de, not préoccupation, but that we really enjoy seeing each other. C'est pas seulement moi, mais c'est sûr que comme on voyait du monde qui se voyait comme wow, that's me, mais c'était vraiment une autre façon de se voir. Puis on n'a pas La vu vision autant de du monde qui est réactions de centrée sur gêne. nous-mêmes. On n'a pas eu autant de réactions de gêne que ce qu'on pouvait être habitué avant, où les gens se voyaient en grand écran comme ça, puis pouvaient être oh non, oh non. C'est sûr qu'on a vu une dans la vidéo, mais les gens sont quand même plus curieux que effrayés là, de cette vue-là. Oui, but I would also imagine que les personnes qui seront gênées de ça, that they would not put their, maybe put their picture in, that they wouldn't volunteer to do this, je ne sais pas. Mais c'est sûr qu'il n'y avait pas de gêne, c'était plus, wow, c'était plus comme célébration. Et je vois que Olivier a mis dans le clavardage, ça représente bien notre vision du monde qui est centrée sur nous-mêmes. You know that we are at the center of our world et que c'est vraiment it's our faces there. D'autres réactions? Élise, est-ce que tu parles de quand tu dis quand when a face looks at you from inside, c'est comme la nuit? Pour moi, c'était vraiment impressionnant. La nuit, when it gets dark out, puis la face, ça tourne, puis ça nous regarde. Comme imagine de voir ça comme juste en passant sur la rue. Oui, faire parler de son œuvre, oui.
found this really impressionnant. Et quand j'ai montré ça aux jeunes, eux aussi, they grabbed onto this. Je ne sais pas si c'était parce que c'était vraiment concret, on le voyait en vidéo, ou c'est vraiment l'idée how we can, même si on est comme personne, là, on est juste nous, qu'on peut devenir une œuvre d'art que quelqu'un d'autre a fait d'une façon random, comme Richard a dit, instantané, comme ça. D'autres choses à dire sur cela? Je vais passer à la prochaine. Here, I'll go to the French one. Whoops. Excuse-moi, ici. Oui. Ça, j'ai trouvé cela et je voulais montrer ça aux jeunes avec qui j'étais parce que souvent, comme quand on parle de citoyenneté numérique et tout ça, on parle des, in English, privacy settings. C'est quoi en français? Si quelqu'un peut le mettre dans le clavardage, l'effet du privé, non, privacy. Et que quand on se prend en photo, la confidentialité, oui, comme tout ce comme sur Facebook, Twitter, Instagram, il y a un certain niveau, on peut mettre quelque chose de public ou quelque chose juste pour nos connexions. Et parfois, on ne pense pas aux effets. We don't think about the effects of making something public. Quand on se prend notre photo, on se prend en photo, on le met sur Instagram, qu'est-ce qui se passe avec après? Regarde ce que Huawei a fait. He just chose random, d'une façon aléatoire, des selfies qui ont été prises durant des manifestations. He put them all together and called it art. Mais qu'est-ce que vous pensez si quelqu'un utilise votre selfie de cette façon? How would you feel? Vous nous demandez en premier. Moi aussi, je pense que c'est la chose polie. You know, it's the nice thing to do. But qu'est-ce qui les arrête? Si c'est public, comme Elise dit que je dis tout le temps, il faut demander la permission avant qu'on prenne des photos. Là, c'est pas lui qui a pris les photos, Huawei. Ce sont les personnes qui ont pris les selfies. Puis eux autres, ils ont mis ça publiquement, d'une façon publique, sur leur compte à Instagram. Puis après ça, Huawei les a comme, he curated them, il les a cuillis ensemble pour créer une autre chose avec. C'est ça que les jeunes ont pensé. Ils ont vraiment dit, mais c'est à moi ça. Même si c'est public, c'est moi qui l'a mis là, c'est à moi. Il a dû demander la permission peut-être. Il y avait beaucoup de questionnements autour de ça. Puis la troisième partie de ma question, mais qu'est-ce qui les arrête? Si quelque chose est public, ça veut dire que n'importe qui peut le voir puis peut faire n'importe quoi avec. Alors, ça a vraiment ouvert une conversation sur notre responsabilité de se protéger. Et il y avait certaines qui ont dit, oh, ça me dérangerait vraiment pas du tout. En fait, j'aimerais ça qu'il y a d'autres mondes qui me voient. Parce que, comme on a tous dit dans le sondage au départ, puis aussi dans d'autres conversations, une selfie, ça pourrait être vu. Alors, ça me dérange pas du tout. Mais quand on met tout ça ensemble dans un autre contexte, parce que c'est le contexte qui change, ça s'ouvrait vraiment une conversation sur les contextes, les selfies, l'importance du contexte, l'importance d'être sensible au niveau de confidentialité et tout ça. Je vais passer à la prochaine, unless there's a... On peut nuire, je voulais dire, on peut nuire la réputation des gens. C'est ça. Alors, moi, je me rappelle, j'étais participante dans une conférence où il y avait Tanya Averett qui parlait, puis elle parlait de se créer nos propres digital footprints. Si quelqu'un peut mettre ça dans le clavardage pour moi, des footprints, des comme des marques dans le sable, mais digitales. Que c'est à nous de faire ça. Parce que si on met n'importe quoi, n'importe où, c'est d'autres mondes comme Huawei qui va comme former nos réputations. Alors, l'importance de vraiment de penser à tout ça. Context is everything. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que c'est de l'art, ça? Is this art? Dépend du message. Oui, vas-y, Claudine.
Est-ce que c'est de l'art? Je pense que ça peut être l'art d'aujourd'hui. Si on revient dans le temps, lorsque les premiers peintres ont peint des portraits des gens, est-ce que ça peut être comme les premiers selfies des gens? Ils prenaient des heures et des heures à se faire peindre. Puis ça l'a passé à travers l'histoire et il reste des traces de ces portraits-là de gens qui ont existé puis qui ont accepté de se faire peindre et de devenir des muses. Il y a quelque chose là dans l'évolution de notre représentation puis la façon dont on laisse des traces, je pense. Oui. Oui, merci Claudine. C'est sûr que même dans les extras, j'avais mis une vidéo, c'est une courte histoire, c'est Art History of Selfies. Et ça met les selfies vraiment dans cette ligne d'histoire de l'art. Pour moi, c'est quelque chose de très intéressant. Merci Claudine. Je vais continuer avec la prochaine, unless someone has something else they want to say about Huawei. OK. Alors, Cindy Sherman, c'est une artiste contemporaine, she's working now, et elle vient de mettre sa compte, her Instagram is a public account right now, et elle pense vraiment que c'est la couture qui façonne notre apparence. What do you think? Est-ce que la couture façonne notre apparence, and what does that mean? Qu'est-ce que cela signifie que la couture façonne notre apparence? Je vais couper le silence un petit peu. Je veux juste dire aussi que je fais exprès pour laisser les silences. Souvent, on ne laisse pas assez de silence pendant qu'on parle avec nos apprenants pour laisser le temps de se réfléchir quand on leur demande des questions. Alors, je vais laisser le silence pendant quelques secondes encore une fois pour voir s'il y a du monde qui veut répondre. Qu'est-ce que cela signifie que la couture façonne notre apparence? Je reviens avec mon petit grain de sel. Oui, je pense que la culture façonne notre apparence. On voit aujourd'hui beaucoup de personnes nord-américaines qui sont très tatouées. Ça existait moins, peu avant. Ça existait plus en Australie, en Nouvelle-Zélande. Il y a des modes et des qui sont, je pense, véhiculé par des formes de culture, la culture pop, la culture rock, la culture. Et oui, ça vient faire qu'on veut s'habiller différemment, se représenter différemment. Là, on est dans le non-genré. On arrive dans un espace présentement où on fait attention à la façon dont on parle, la façon dont on s'habille, dont on élève nos enfants. Je pense que oui, ça a une influence sur la façon dont on va se représenter. Merci Claudine. On a comme 10 secondes avant qu'on va changer d'atelier. Et je voulais montrer la dernière. Ça, c'est Robert Cornelius. First ever selfie. J'ai pas de questions ici. J'ai trouvé ça cool. First ever selfie, c'est en 1839. Et j'ai trouvé ça intéressant. So the first selfie ever taken. Okay, I'm going to warn you again, it's loud, mais on va changer de groupe. Vous allez aller dans la dernière atelier en atelier 1. See you later. Ça va tous fermer.